Complètement détruit. הם הכניסו ילדים דרך החלון שפתחו להם את הדלת מבפנים. המחבלים הכניסו ילדים שהגיעו איתם דרך החלון ופתחו את הדלת מבפנים. היו בו גם נשים וילדים הגיעו לפה. חשוב לי שיבינו שאין בלתי מעורבים בעזה. זה תגיד. Des enfants terroristes, des enfants de Gaza, d'accord, des Gazaouis, par la fenêtre, et c'est eux qui ont fait le tour dans la maison et qui ont ouvert la porte aux terroristes. Il a dit, il y a tout le monde qui est venu chez moi se servir, il y a des enfants, des femmes âgées, d'accord, il dit, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, un innocent Gazaoui. La bête n'est pas touchée à l'os par une mechablin, quoi pas me les rêves à chaque fois ils sont rentrés, donc il y a eu trois fois. Où ils sont rentrés, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, ils faisaient des allers-retours, vous vous rappelez, les terroristes, ils sont rentrés trois fois dans sa maison, à chaque fois ils sont restés un quart d'heure, lui il entendait tout depuis sa chambre forte. Ah, dans la chambre forte, il a deux lits. Et vous savez, sous les matelas, des fois il y a des lits qui ont des coffres comme ça. Il a caché sa femme et ses deux filles dans ces coffres, il a refermé. Il a refermé les lits. אמרתי שאם ימצאו את כולנו, יהרגו את כולנו, וחשבתי שאולי הם יהיו מוסתרות שם, שמישהו ימשיך את המשפחה. En gros, il s'est dit, כמו יעקב, כמו הרבה בשואה ובכל מיני מקומות אחרים. Il s'est dit, j'ai fait la partie comme יעקב אבינו, comme Jacob, il dit aussi comme beaucoup de survivants de la Shoah, il a voulu séparer sa famille. Au cas où il tire, ou il touche quelqu'un, ou il trouve dans un lit, peut-être que l'autre partie de la famille va pouvoir continuer les générations, la famille, etc. Dans ce moment-là, j'ai dit à mes filles et nous avons prié, mais il n'y a pas de prière, il y a un grand prière. Donc, j'ai juste dit à mes filles et dire « Shema Israël, Hashem Elenu, Hashem Echad » et ça, nous avons dit plusieurs fois. 5 heures, nous n'avons pas arrêté de dire ça. 5 heures, nous n'avons pas arrêté de dire ça. אני לא יודע מה עזר לי, הארונות, ארון ספרים, התפילות, הכל, אצלנו לא מצאו אותנו. נכנסו לבית, הרסו הכל פה, ולא מצאו אותנו, לא מצאו את זה. אם היו מוצאים, הייתי נראה, כאילו, החזקתי את הדלת, והייתי מול הדלת. Alors, lui, il était sûr que s'il trouve la porte, s'il rentre, c'est lui qui prend, c'est sûr, parce que c'est, moi, sa fille, enfin, ses deux filles et sa femme étaient cachées. Il tenait la porte. Et il a dit, avec tout le stress qu'il y avait, c'est impossible de formuler une prière, s'il te plaît, mon Dieu, etc. Il a dit, on va réciter le schéma Israël, c'est la prière qu'on récite avant de mourir. Et à chaque fois qu'ils ont entendu du bruit, schéma Israël, d'accord, il a récité des milliers de fois le schéma Israël avec ses enfants, en disant, peut-être c'est notre dernière minute à vivre, on va réciter le schéma Israël avant de mourir. Et les touristes, ils sont rentrés à chaque fois, donc trois fois, ils restaient, ils ont tout détruit à l'intérieur de chez lui. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas vu la porte du Mamad, ils ont vu l'armoire. Et il avait dit aussi dans une autre vidéo que j'ai vue, qu'il y avait un petit espace de l'armoire qui n'était pas clairement collé au mur. Ok, et ils n'ont pas vu ça, mais sinon c'est sûr qu'il serait rentré, c'est sûr que lui il serait plus là pour parler. Et il y a eu pour lui un très grand miracle, ils n'ont même pas vu la porte de la chambre forte. אני רק אגיד שבזמן שנכנסו לבית נפרדנו, פשוט אבא, אנחנו אוהבות אותך, אני אוהב אתכם, ואמרתי להם שאנחנו ניפגש בעולמות אחרים, ככה פשוט נפרדנו, שלוש פעמים נפרדנו אחד מהשני, עשיתי אפילו וידוי, כי חשבתי שעוד מעט נפתח את הדלת ופשוט עשיתי, התכוננתי ל... Les trois fois que les touristes sont rentrés, ils pensaient que c'était leur dernière heure. Ils se sont embrassés en disant on va se revoir bientôt, mes enfants, on va se revoir dans le monde futur. Je vous cache maintenant, on se revoit dans le monde futur. Et lui, il va tenir la porte. Il a dit comme ça, j'ai fait le vidou. Le vidou, c'est ce qu'on fait avant de, si quelqu'un va mourir. Il va faire l'expiation de ses fautes, une confession, d'accord, en disant mon âme, elle va bientôt rejoindre l'éternel. Avant de partir, au moins que je fasse confession de mes fautes. Et il priait en se disant, c'est sûr qu'on va se voir, mais dans un autre monde. Il a deux enfants,
Donc un de 23 ans, deux garçons, un de 21, un de 23 ans, et ils vivent dans des maisons séparées dans le kibbutz. הבן שהוא בן 23, הגדול, הוא היה בחופשת שחרור מהצבא, והוא החזיר את הנשק שלו באותו שבת, להשתחרר כאילו מהצבא, וזה המזל כאילו... אז הוא חוזר בלי נשק. כן, ואם הוא היה חוזר עם הנשק והיה יוצא להילחם, כנראה שהוא לא היה איתנו. אבל אני, זה, הוא מארבע דירות שלא נכנסו לבתים שלהם, זה דירה, הדירה אחת, זה דירה שלו שלא נכנסו, הוא היה עם עוד חבר. של החבר הזה אבא שלו נרצח, ואימא שלו נחטפה. Alors, c'est Ben 23. Celui de 23 ans, il vit avec un coloc. Son coloc, ça, le père de son colocataire, il a été tué. La mère a été kidnappée. Les deux, ils se sont cachés dans leur maison. C'est l'une des quatre maisons du kibbutz où les terroristes ne sont pas entrés. Quatre maisons. L'une des quatre maisons, c'était son fils avec son coloc. Ah, regarde. Et aussi important, il venait de sortir de l'armée. Et il avait déposé son arme déjà à Tzahal. Il est revenu ici sans son arme. Pourquoi ça, il m'a dit ça? Parce que c'est sûr que celui qui a une arme, encore plus de l'armée, quand il entend ça, il sort tout de suite. Celui qui sort, je vous ai dit, il n'est pas revenu. Celui qui est sorti, il n'est pas revenu. Donc il dit, il y a le premier miracle pour son fils, c'est qu'il était, il avait rendu son arme de l'armée. Et deux, c'est que c'est l'une des quatre maisons de tout le kibbutz où les touristes ne sont pas rentrés. אני אגיד רק משהו. הבן שלי מאז שהוא הלך לצבא, הוא הפסיק לשמור שבת. אבל אני כל שבת אוכל איתנו ארוחת ערב, ואני אמרתי לו, אתה לפחות עשה לנו קידוש, ואתה תבצע לנו את הלחם, שיש שתי מצוות שישמרו עליך. וככה... אני לא אגיד שזה מה שהשמר עליו, אבל לי יש תחושה שזה יחזיק לו את עד... Alors, quand il est revenu de l'armée, avant le 7 octobre, son fils, il a arrêté de faire Shabbat, mais il insistait toujours à Motz, il insistait toujours pour qu'il vienne Shabbat à la maison, et à Motz, il confiait à son fils, au moins de faire le Kiddush et le Motzi, il a dit, au moins ces deux mitzvot-là, tu les gardes, et peut-être que ça va te protéger. Et lui, il dit, je suis sûr que c'est ce qui a fait que c'est un miracle qu'ils ne sont pas rentrés chez lui. C'est pas un ben atzaïr sheni, ou gar po mahoreno, bebaït mahoreno, et la baït chelo n'ichnesu mechablim, beiriot, pas chou n'ichnesu beiriot, ou evin chou lechou l'achzik et a yadit, chela amamad, azou a yeshlo ta salon, va amamad mimoul, ou itzlich ou lakach ta mita chelo, izizot a la tzad, venishkav tsamoud la kir, ben amita la kir. Son deuxième fils, donc le plus jeune, 21 ans, il habite dans la maison juste à côté, il vit seul, et il s'est dit, il a entendu les tirs, et il s'est dit, je me mets dans la chambre forte, mais je pense que je ne pourrais pas tenir la porte longtemps. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu déplacé son lit du mur, et il s'est caché entre le lit et le mur qui sont dans la chambre forte. הבית היה עם חושך כי הם הרסו את החשמל לפני זה, פה ברוב הקיבוץ לא היה חשמל כבר. אז נכנסו, הברמד היה חשוך, הם העירו עם פנס, לא ראו אותו. לא ראו אותו, זה לא מובן, זה השגחה אמיתית. החדר שלו קטן, רגע, החדר שלו קטן, יש לו מיטה, רק מיטה בתוך החדר, והוא שוכב פה, והם עומדים בדלת פה, זה המרחק. הוא פה, הם פה. C'est la distance là, qui est comme ça. Ils sont arrivés, donc lui, il a entendu des tirs, etc. de partout. Ils sont arrivés, il précise aussi que les terroristes ont débranché les systèmes d'électricité, donc il faisait noir dans les maisons. Les terroristes sont rentrés avec des lampes torches dans le mamad, dans la chambre forte. Donc là, il nous a montré les distances, d'accord, toute petite pièce. Il dit, il y a un lit qui est là. Lui, il était vraiment là, et le terroriste, il était à un mètre, quoi, d'accord, juste à côté de lui. Ils sont rentrés, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé, ils ont pas trouvé. Pam shnia, la deuxième fois, pam shnia, nichnesu od pam mechablim, ishtinu letoch habayit, ishtinu mamash kimat alav, kilo mamash ishtinu kimat alav, ve yatzu od pam, gam lo ra'u oto. La deuxième fois qu'ils sont rentrés, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et écoutez bien, il y a un terroriste qui se met dans le coin de la chambre et qui fait pipi, il a uriné
dans le coin, quasiment sur lui. Il a rien vu. הוא בעיקרו, אחרי נקרות הצהריים, הוא מתחיל להריח ריח של, ריח של שרוף, אז הוא מחליט לברוח מהחדר. ואז הוא יוצא ומתחיל לרוץ בין בתים השרופים פה, לחפש מקום להסתתר. Dans l'après-midi, il commence à sentir une odeur de brûlé. Il comprend qu'il faut sortir, que la maison est en train de brûler. Il va sortir, il va se cacher dans des maisons qui ont déjà été brûlées. Ces îles-là, ils ne vont pas revenir. Alors, j'ai dit, il habitait derrière, pas très loin. Il est comme ça venu un peu de maison en maison pour voir ici, chez lui. Il a vu que la maison a été complètement détruite. Donc il s'est dit, moi je vais partir. Et il a commencé à essayer de quitter le kibbutz tout seul. בסוף הוא בורח מהקיבוץ ורץ לכיוון קיבוץ מגן. שהוא רץ בדרך לקיבוץ מגן, רצים גם מחבלים שממשיכים, זה לא איתו ביחד, אבל היו מלא מחבלים, והיה כבר סיירת אגוז, לא משנה, סיירת שירתה למחבלים שם. אנחנו ראינו אחרי זה את ההתכתבויות שלהם בוואטסאפ. לא, זה היה אגוז. אגוז. גיבלתי לאגוז פה, אגוז, ואיך קוראים לזה, וראינו את ההתכתבויות שלהם, המזל שלי שהוא תמיד נופל לישון עם הבגדי שבת שלו. הוא רץ עם הבגדי שבת, ראו בגדים, בגדים של שבת, ופשוט הם עצרו את הירי. הצבא כמעט הוריד אותו. וואו, אוקיי. עם החולצה לבנה וכו'. כן. וואו. Donc il s'est dit, ils sont sûrement été tués ou kidnappés. Et il s'est dit, je vais sortir du kibbutz. Il s'est dirigé vers le kibbutz Magen. Donc pareil, il est sorti de maison en maison brûlée en maison brûlée. À chaque fois, quelques mètres, il se cache. Il voit s'il n'y a personne, quelques mètres, il se cache. Il va vers le kibbutz Magen. Maintenant, il m'a raconté une histoire incroyable, un miracle aussi pour son deuxième fils. Toute la famille s'est démiraculée. Il arrive vers le kibbutz Magen qui est pas très loin. Enfin, d'accord, il faut quand même marcher, courir et tout. Et en même temps que lui, dans des endroits différents, arrivaient de plus en plus de terroristes pour attaquer le kibbutz. Et lui, il arrive à ce moment-là où, à l'intérieur, vers le kibbutz, il y a une unité qui s'appelle Egoz, unité d'élite de l'armée, qui surveillait le kibbutz et qui tirait sur tous les gens qui arrivaient. Maintenant, lui, il arrive et il m'a dit le miracle, c'est que lui, il était habillé en habit de Shabbat avec sa chemise blanche. Et ils ont vu un jeune arriver avec une chemise blanche, ils se sont dit, c'est un juif. Et il faut, alors ils ont commencé à dire à tout le monde, ne tirez pas, ne tirez pas. Il a failli se faire tuer parce que les gens venaient de partout, hein, faut comprendre, hein, c'était la panique, d'accord. Et ils ont réussi à repérer qu'il avait une chemise blanche et grâce à ça il a été sauvé. Il n'a pas été tué par l'armée, d'accord. Et il a réussi à être récupéré dans le kibbutz Magen. בהתחלה אמרתי לאשתי, אנחנו שבת, לא פותחים טלפון. אחרי זה שהבנתי שזה כבר גדול ומדי, ואז פתחנו את הטלפון והתחלנו לחפש את הילדים ואת ההורים שלי גם גרים פה. להורים שלי נכנסו גם כן, 3 שעות ניסו לפתוח להם את הממ"ד ולא הצליחו. איך? לא, אבא שלי הצליח לשים מדפים ששמרו על הידית שלא הצליחו, ואת החלון של הממ"ד הוא פשוט החזיק ביד. כמה הוא? 77. Il parle maintenant de ses parents qui aussi habitaient une maison ici à Niroz. Les terroristes sont rentrés, donc eux ils ont été, donc son père il a 76 ans et sa mère ils sont rentrés dans la chambre forte et son père a essayé de tenir la porte de la chambre forte. Il a compris que les terroristes allaient essayer de rentrer et il a réussi à bloquer en fait la poignée de la porte. Les terroristes n'ont pas réussi à rentrer dans sa chambre forte. Ils ont comme ça survécu aussi ses deux parents. אנחנו את הבן השני, את הבן זה שברח למגן, לא ידענו מה קרה לו. הצלחנו ליצור קשר עם מישהו שהיה בחוץ, והוא אמר שהבית פרוץ והוא איננו. אז חשבנו שחטפו אותו. אחרי 7 שעות קיבלנו הודעה שהוא... 7 שעות. 7 שעות קיבלנו הודעה שהוא הגיע למגן והוא חי והוא בסדר. Son fils qui est arrivé, alors déjà lui, il avait que 20% de batterie.
Au début, il hésitait, est-ce que j'allume ou pas le téléphone. Après, sa femme m'a dit, c'est un cas de force majeure et si on peut sauver des vies et tout, ils ont allumé. Ils n'ont eu aucune nouvelle de ses enfants. Et son fils, il pensait que tout le monde était mort, c'était sûr. Il est arrivé au kibbutz Magen. Il a réussi à finalement à avoir un téléphone. Et lui, il a eu des nouvelles de son fils qu'après 7 heures d'attente. Donc il a attendu 7 heures sans aucune nouvelle en pensant que tout le monde était tué. D'ailleurs. כשנסענו לאילת, יום אחרי זה התפנינו לקראת ערב לאילת. בדרך אספנו אותו בקיבוץ מגן. כשהוא עלה לאוטובוס, הוא עלה מאוד שמח. אז אשתי שאלה אותו, למה אתה שמח? אז אומר לאשתי, אני חשבתי שכולכם מתים. כל האוטובוסים שאני רואה מהאנשים פה, בשבילי זה מתנה. זה נתן לי גם לחשוב קצת אחרת, לא מה איבדנו, מה נשאר מאיתנו. וזה היה לראות אותו שמח, זה נתן לי לחשוב לא על אלה שאיבדנו, על הניסים שקרו על אלה שנשארו פה. Une petite note comme ça, optimiste. Il explique que le lendemain, ils ont pris un bus, ils ont été vers Eilat. Ils ont été récupérer son fils à Magen, au kibbutz à côté. Et son fils, il est monté dans le bus. Il regardait les gens et il souriait, il était content. Parce qu'il pensait, je vous rappelle, que tout le monde était tué. Et donc il dit, pourquoi tu souris? On est le 8 octobre, de quoi tu me parles? Il dit, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient... Et lui, je me rappelle, lui, il a survécu, et lui, c'est mon ami, etc. En fait, il m'a dit, ça m'a rappelé que dans la vie, il ne faut pas que pleurer les morts, il faut aussi être reconnaissant et pouvoir apprécier ceux qui restent. Et être reconnaissant pour les personnes qui restent. Comme quelqu'un qui pensait que tout le monde était mort et qui voit des survivants, alors lui il est content de voir ça. Alors ça l'a un peu, voilà, ça l'a un peu changé son état d'esprit en disant qu'il faut aussi apprécier ceux qui restent et ceux qui ont survécu.